Hey, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle séance de sport. Aujourd'hui, on est focus abdos et on finira par un circuit cardio. Ça va être court mais intense. Comme d'habitude, suivez la séance jusqu'au bout. Vous avez juste besoin de votre tapis d'Aladin. On y va, let's go! On commence par un gainage dynamique, top! Donc là, c'est 30 secondes par exercice. Écoutez bien ce que je vais dire pour bien enchaîner les prochains exercices. Donc là, ça fait 10 d'échauffement également. Je suis contente de vous retrouver comme d'habitude. On va passer sur un gainage touche-épaule. Top! On descend. Et là, on tient en équilibre sur trois pattes. On essaie de ne pas bouger le bassin. Il y a vraiment un transfert de poids. Allez, c'est bien. Soufflez bien. On va passer en chaise renversée après ça. Ou chaise effondrée. Top. Sur le dos. Genou à 90 degrés. On fait des mats. Et on vient frôler le sol avec nos talons. On remonte. Ne creusez surtout pas le bas du dos. Sinon vous risquez de vous faire mal. Et c'est pas le but. Ne vous faites pas mal. Ensuite on va passer sur un V-sit. On va repasser sur les fesses. Top. Sur l'arrière des fesses, on lève les jambes. Si c'est trop dur, on plie tout simplement les jambes. Si c'est trop facile, on descend ses jambes. On rajoute de la difficulté. N'oubliez pas que c'est dans la difficulté qu'on progresse. C'est notre devise, ça. Allez, on tient, c'est dans la tête. Soufflez bien, on va passer top en V-sit de côté. Hop là. On relève ses jambes. J'ai mis des chaussures lourdes en plus. Donc là, on va être vraiment sur le côté arrière d'une des fesses. Soufflez bien. Exercice dur, mais très efficace. On va changer de côté. Top! On essaie de changer rapidement d'exercice. Si c'est trop dur, on peut le faire en pliant plus les genoux. Allez, on tient. J'ai les chaussures qui grincent. C'est quand c'est dur, ça. Allez, c'est bien. On va passer sur un crunch bicyclette. Top! On fait du vélo. Allez, après ça, on aura 30 secondes de repos. Pareil, ne creusez pas le bas du dos. Encore 10 secondes. Qu'est-ce que c'est 10 secondes dans une vie? On respire un peu, on s'endort pas. Si vous voulez, vous pouvez boire un petit coup, 30 secondes de repos. On refait ce circuit, travail de répétition. Il est court, mais on va le faire plusieurs fois. Buvez que de l'eau, je vous fais confiance. Pas de vodka. Hydratez-vous bien. On va reprendre en gainage dynamique. Top! Allez, quand on est en gainage, on fait bien la planche. On prend le temps de la faire et on remonte. On fait l'éventail. Comme vous le savez, on va rester en gainage touche-épaule. Top! Là, tenez bien l'équilibre. Transfert de poids, ne bougez pas le bassin.
du moins le moins possible. On fait la statue. Et plus vous écartez les jambes arrière, enfin les jambes, il n'y a pas de jambes avant, plus vous écartez les jambes et plus vous aurez de l'équilibre. Dans 5 bassin rétroversé, on va passer en chaise renversée. Hop. Si on veut, on peut venir soutenir sa nuque. Si vous creusez le dos, descendez moins bas. Vous devez vraiment faire travailler les abdos au maximum. Allez, c'est bien. On va passer en V-sit. Top. Comme tout à l'heure. On est presque sur le coccyx. Si c'est dur, genoux pliés. Ça travaille très très bien aussi. Allez, on tient. On essaie d'avaler son nombril. Je tremble. C'est bon signe. Et ensuite, on va passer en V-sit de côté. Top. C'est parti. Allez, on se rappelle de pourquoi on fait cette séance, de nos objectifs. Si on veut voir des résultats, si on veut se vider la tête, décompresser, se sculpter. On se donne à fond. C'est dans le dépassement qu'on grandit. On dirait une pub. Top. Changement de côté. Dites-moi en commentaire si vous faites la séance. Ça m'intéresse, les amis. Si vous la trouvez dure, facile, dites-moi vos ressentis. Et ensuite, on va passer en bicyclette. Hop, sur le dos. Et on y va. On n'écrase pas le bas du dos. Sinon, on tend moins les jambes. On reste en statique. Allez, l'enchaînement est dur. C'est normal. On tient. On va avoir du repos. Top. Ouh. Il y a des jours où c'est plus dur que d'autres. C'est normal. Suivant notre forme physique. Mais le but, c'est de tenir jusqu'au bout. Donc là, on se relève et on va faire une toute dernière fois ce circuit. C'est la dernière, on en profite. Ensuite, on passera sur le petit circuit cardio. Normalement, ça doit brûler à la fin de ces exercices. C'est le but de s'améliorer. Top. Gainage dynamique. Éventail. Je l'ouvre et je le referme. Allez, on est dynamique. Là, on est rentré dans la séance. On va rester en gainage touche-épaule. Top. De toute manière, vous connaissez le circuit par cœur maintenant. Mieux que moi. Allez, on rétroverse le bassin. On fait bien les exercices. Le bas du dos n'est pas creusé. On se check l'épaule. On va passer en chaise renversée. Top. Allez, on fait bien sur la main à la nuque. Déjà, ne tirez pas dessus. Et vous pouvez la poser. On ne creuse pas le bas du dos non plus. Exercice très efficace pour le bas des abdos aussi. Allez, c'est bien. On va passer en V-sit. Top. Est-ce que ça fait un V?
je suis pas très souple en plus. Il faudrait que je travaille ma souplesse. Toujours travailler ses points faibles. Allez, on tient, on fait ça pour ses abdos, pour soi. C'est dans la tête. On a le mental qu'il faut. Top. Côté. On les ramène et on les éloigne. Allez, dernière fois qu'on fait ce circuit. C'est dur, mais on tient. On apprend à aimer la douleur. Allez, ça tremble. On va changer de côté. Top. C'est parti. Est-ce qu'il y a un côté plus facile que l'autre pour vous? On ne pose pas les jambes. À part si on a des difficultés, on pose et on remonte. Mais on essaie de ne pas les poser. On se croirait presque à la plage. On va finir en bicyclette. Top. Sur le dos. Allez, on pédale. Allez les amis, on lâche rien. Allez, on tient. Je fais la grimace. Top. Ouh. 30 secondes de repos. On souffle un petit peu. On va passer sur le circuit cardio. Préparez-vous. On va faire 3 exercices de 30 secondes et ensuite on aura 30 secondes de repos. On commencera par squat, coup de genou, ensuite corde à sauter et montée de genou. Préparez-vous, let's go, squat et on monte le genou opposé au coude. Quand vous descendez en squat, le dos est droit. Les genoux ne dépassent pas la pointe des pieds. Les abdos sont gainés. On va passer en corde à sauter. Vous pouvez sentir vos abdos en même temps. Top. Abdos gainés. Et là, on rebondit. Tel un kangourou. Pas besoin d'aller très haut, mais on est dynamique. Dans 5 secondes, montée de genoux. Top. Après ça, on a un repos. On se donne au maximum. On les monte, ces genoux. En même temps, on amortit la descente. Dites-moi en commentaire si vous êtes encore là. Top. Corde à sauter. On est gainé. Genoux très légèrement repliés.
vous les contractez. On va passer en montée de genoux. Le fameux top. Allez, on se donne les genoux au niveau du bassin. C'est trop dur, on fait des tapes aux fesses. Deux, un, top, repos. On va encore refaire ce circuit. Je fais une pause lacée. Soufflez bien, on reste debout. Travail de répétition très efficace. On continue jusqu'au bout, on se rapproche de la fin de séance. Let's go. Allez, on descend bien en squat. Dos droit, pointe de pied légèrement vers l'extérieur. Qui nous montre la direction de Paris et Barcelone en même temps. On va passer en corde à sauter invisible. Top. Allez, dynamique. On se repasse pas sur ses lauriers. Plus vite. Gainer. Patriot et rapide. On va passer en montée de genoux. 3, 2, 1, top. Allez, plus haut. Encore plus dynamique. On est déter. Allez, on se dépasse. On continue. Top. Soufflez bien, on va faire encore ce circuit. Allez, pour que ça soit efficace, on le répète. On en a encore sous le capot, cette expression. Soufflez, récupérez un peu. On va reprendre. 3, 2, 1, squat. Alors, on garde toujours les genoux un petit peu pliés. Allez, on se pousse au bout.
que vous êtes prêts? C'est parti. Tous ensemble, vous n'êtes pas tout seul. On n'est pas tout seul. Moi, je suis allée séance le matin plutôt. Avant le boulot, top. Allez, septième, dernière fois qu'on fait, c'est le moment de tout donner. Encore 10 secondes. Le chrono qui tue. Top, montez. On ne prend pas l'ascenseur, vous. On prend les escaliers. Allez, on les monte haut. On est encore plus rapide. Mettez de l'intensité dans les exercices. 5. 4, 3, 2, 1, top. Bien joué les amis. On aura fait 22 minutes ensemble. J'espère de tout cœur que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Gros bisous, prenez soin de vous.